Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo d'achat d'items, je sais que vous aimez ça. Ici, c'est un manteau de servitude. J'ai qui a été fait en brisage PA. Vous l'avez vu en vidéo, normalement. C'est pas incroyable, mais j'en ai besoin en fait pour mon sacrilège PVP. Et je suis assez impatient de le jouer. Donc je pense que ça me fera office de jet temporaire en attendant que je refasse des brisages sur l'item. Et qu'éventuellement je chope un meilleur G, c'est pour ça bon. C'est un peu compliqué de se faire une idée vraiment de la valeur parce qu'il n'y a pas vraiment de G sympa qui circule. Et voilà, donc je pense que bon, c'est après ok, ça vaut pas grand chose dans le prix de craft, c'est genre 3 millions HDV les G random. Donc voilà, petite acquisition qui ira sur un sacrilleur au PVP que j'espère pouvoir vous présenter en Coliseum très rapidement. Hop. Je vous partage également l'achat d'un bracelet du Pilaster. On a un petit GPA sympathique ici. Bon, c'est du perf ExoPA. Je vais prendre ça pour jouer sur mon Xelor PVP dans un premier temps. En fait, avec l'arrivée du Kanji Gérarque, ça a un petit peu changé mes modes du point de vue de l'équilibrage des raids. Ce qui fait que maintenant, je peux me permettre de prendre un Pilaster alors qu'avant, j'avais un quoi, c'était l'Avano que j'avais. Bon, c'est pas le G là, hein, mais c'était l'Anola. Là. Qui était intéressant pour les res air parce que j'avais un gros manque de res air sur mon stuff, mais sinon qui n'était pas un item très intéressant sur le reste. Donc avec le Kanji Gérarque qui arrive en CAC, ça comble un petit peu le manque de res air et ça me permet d'opter pour un anneau qui fait 2 PO. Et ça c'est très intéressant sur mon Xel, ça va me permettre d'aller chercher un mode en 6 PO. Et ça régale. Voilà donc petit G ExoPA 40 millions qui est en HDV hein, tout simplement. Bon, je suis toujours un peu chiffonné quand je vois un ExoPA sur un GPR parce que je me dis, on aurait pu mettre une chance en plus. Bon, bref, mais voilà, ça me fera l'affaire. Je ne sais pas si je m'en servirai beaucoup. J'ai un petit doute là-dessus et je préférerais en avoir un PM. J'en avais un 348 Vita perf PM, mais je ne l'ai plus. Maintenant, j'aimerais bien le récupérer, je vous avouerai. Donc, s'il y en a qui connaissent des bracelets du Piloster gros G ExoVita PM, ça peut m'intéresser. En attendant, je vais prendre ça pour jouer avec une Alliance Glourson pour 100 res air PM et ça fera l'affaire dans un premier temps. Voilà, je sais pas trop si ça me servira beaucoup en PVP, peut-être que je changerai de mode assez vite, je verrai bien, mais ça sert toujours d'avoir un Piloster PA avec un beau G comme ça. Ne serait-ce que pour des modes PVM ou des trucs comme ça. Sur Panda aussi, il y a des époques où je jouais pas mal ça. Voilà, petit achat. 40 millions, ça fait quand même mal. Je l'aurais bien pris un peu moins cher, mais bon, c'est en HDV, et puis j'ai pas envie de me tracasser. Et s'il part et que je l'ai pas pris, ça me fera un petit peu de la peine après de me dire, bon, il y avait quand même un GPR PA et je l'ai pas acheté. Donc, c'est parti. Hop, petit Piloster PA. Et voilà pour cet achat d'item, les amis. Je vous partage l'achat d'un familier légendaire, c'est la chose. J'ai jamais vu personne jouer ça, mais moi j'ai trouvé dans mes théories craft que, que c'était ça rentrait bien. Donc en impatience du habit pour Coliseum évidemment, en 3v3. Bon, ça commence à faire beaucoup beaucoup de thunes que j'ai lâchées, je dois être, je sais pas loin d'un milliard de kama déjà dans les familles légendaires. C'est vraiment, je déteste cette nouvelle fonctionnalité dans le jeu, j'ai horreur de ça. Je trouve que c'était une erreur, mais bon, je vous l'ai déjà dit. Donc la chose qui ira sur un sacrilleur, voilà, sur mon sacrilleur au PVP que je suis en train de vous préparer, qui va bientôt arriver, et ça c'était un des trucs les plus chiants que je devais choper encore. On me l'a fait là sur commande, donc bon, c'est mon ami Maléfort qui l'a fait, il me l'a fait tout à l'heure. On s'est mis d'accord pour 60 millions. Apparemment en plus, suite à des modifications en songe et compagnie, il y a des prix qui ont monté, bon ça fait un peu mal, mais bon je suis plus à ça près, de toute façon j'ai perdu tellement de thunes là-dessus. En tout cas j'espère que ça va me convenir et que ça va pas finir dans mon inventaire un jouet comme ça m'a fait pour le Bosquito que j'avais acheté comme ça, dont je me suis jamais servi à 65 millions, ça picote. Et qu'on va pouvoir colis assez vite avec ça, et si ça nous permet de colis et que ça me plaît, bon moi j'en regretterai pas cet achat, sinon ça va être invendable de toute façon parce que personne ne joue avec ça. Donc j'espère que c'est un investissement qui va me servir, et puis voilà. Enfin j'ai trouvé un bracelet des fonds marins Exopea, ça fait très longtemps que j'en cherche, il m'en faut plusieurs dans plusieurs modes. Et là, bon c'est difficile à trouver sur des beaux G, hein. C'est un item qui est pas très simple à FM, il y a quelques Exopea qui circulent, mais c'est assez chaud d'en trouver, et en général ça se vend assez cher. Là j'en ai besoin pour un Sacrilleur au PVP, un Eka au PVP, un Panda au PVM, il m'en faut déjà 3 dans un premier temps. Donc ça fait un moment que je cherchais, et là j'ai un abonné qui m'en a fait un qui est pas trop mal. C'est pas un G aussi bon que ce que je voudrais, hein, le moins 1 esquive PM, moins 5 sagesse, voilà. Avec une passa et un esquive PM en plus, on commencerait à être sur des trucs stylés pour PVP. Le problème c'est que sur des nirs perf PA, ça commence à... Enfin c'est très rare et ça vaut très cher. Enfin le problème étant surtout que c'est rare, parce que moi les kamas ça me dérange pas de la débourser, mais en tout cas ça se trouve pas trop.
Donc voilà, j'ai un petit jet sympathique, il me le fait à 20 millions, ce qui est très sympa de sa part. Il m'a dit que voilà, il me le faisait pas cher volontairement pour me soutenir un peu parce qu'il veut voir mon sacrilleur en PVP et compagnie. Mais il pourrait le vendre plus cher, il le sait. Hein. Il m'a dit qu'il me le faisait à 20 millions et que c'était une façon pour lui de me soutenir pour mes streams et vidéos. Donc merci beaucoup, je suis touché par le geste. Donc 20 millions pour un fond marin qui est quand même pas dégueu du tout, hein, en 60 chances, 12 dos, 247 vita, franchement c'est très bien. Donc ça ira dans un premier temps sur un sacré PVP, et je pense que ça partira plutôt sur du stuff PVM à cause du manque d'esquive PM, et j'essaierai de trouver des meilleurs jets pour PVP. Voilà, d'ailleurs s'il y en a qui ont des fonds marins PA à vendre sur Julite, sachez que ça m'intéresse et que j'en cherche des bons jets. Donc merci à cet abonné pour cette vente que j'apprécie fortement. Petite acquisition sympathique, achat d'une amulette de Nilesa. J'ai 100% perf avec la prospection. Bon, c'est pas une dinguerie, mais j'en ai besoin pour mes modes PVM. Ça ira sur un Anifeu PVM avec une petite rune trans dommage distance. Pour un bon mode Intel arc corrompu. Non, pas arc corrompu, du coup, baguette immunologie, en mode tabassage, on torche tes donjons et les succès rapidement. Voilà, donc bon, c'est un abonné qui m'a fait ça. Je l'avais pas spécialement demandé, mais effectivement, j'en ai besoin. Donc, on s'est mis d'accord sur 5 millions. Bon, c'est vraiment pas très cher, mais c'est pas un item très dur à faire, hein, vraiment. Il n'y a aucune difficulté, puis PAPO. Voilà, donc petit achat que je veux partager ici pour vous régaler, évidemment. Hop. Bon, bah, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Achat d'items, acquisitions diverses, voilà, je vous en ai mis 5 sur la vidéo, je pense que je vais vous faire ça régulièrement maintenant parce que j'achète souvent des trucs, et je sais que ça vous plaît en général de voir ça, donc bon, voilà, attendez-vous à ce que régulièrement il y ait des petites vidéos qui sortent, achat de 5 items ou plus ou moins, je sais pas, pour tant de millions de kamas, et n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas, voilà, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.